To salue basantu nyoso na kombo na Yesu. Tikete kimya na nkolo Yesu pe bolingo na ye. Ezala likolo ya moko na moko oyo akoyeba na kulanda biso na nzela ya enseignement oyo sur la parabole du levain des pharisiens et des sadducéens. Kola pe intelligence kati ya peuple na ye pona ko comprendre oyo ezali parabole oyo. To komi na 9e parabole yo toza ko expliquer par la grâce de Dieu. Toujours qu'il y a un malembe, exactement le 40, on trouve bien nous expliquer petit à petit par la grâce de Dieu. Alors priez pour nous, en ce que le Seigneur abatte la population sur ma coquille, il y a qu'au salé la haie. Tout bon délice, c'est notre péché, merci pour ce temps. Tout ce qui t'a donné, c'est beaucoup de choses. Sois le véritable enseignant, enseigne-nous, maintenant, on va aller l'eau. Nous sommes nous déclarant qu'il est sans effet au nom de Jésus. Celle qui nous tombe à l'école à l'éther, au début à la fin. Au nom de Jésus, amen. Nous allons m'entendre à Matthieu chapitre 16, versets 6 à 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur a connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, si c'est que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez plus les 5 paires de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 paires de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pharisien qui lui avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et de sadducéens. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Togolo baboué. Toutaki koulobe la levain ya une femme oyo azala ki na 3 mesures ya farine ya bleu. Pe baki na kotia levain na kati, levain e baki na ko vimbisa. Oyo ezalaki pati na ye, ezalaki pati na ye, oui, toza kondima. Deja leve wana epesaki deja explication par rapport ya levain oyo. Soit parabole wana eza ko expliquer parabole oyo. Po tokende deja kotalisa levain kuna comme le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit oazo ya po na Kovim bisa ou zala ki pat. Voilà, tout si tu explique ki deja parabole wana. Mais, awa, levain de pharisiens zo symbolise l'enseignement des pharisiens. Zo symbolise l'enseignement des pharisiens. Tozo loba, enseignement des pharisiens ouyo, tozo loba, eza la loi de Moïse te. Mais enseignement des pharisiens ou tozolo ba oza par rapport ya ba ajou ou ba bande ko bakisa tozim kanda ya Matthieu chapitre 15 toba na verset 1. Alors les disciples, les pharisiens et les disciples vers de Jérusalem auprès de Jésus dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? En Israël, il avait la loi. Mais quand le Seigneur était venu, à ce côté d'Israël, il y a Mobeko. Mais il y a une tradition. Donc le Seigneur ne s'attaquait pas à la loi. Awa, mais le Seigneur s'attaquait à la tradition. Donc il avait des pharisiens à la tradition. Il y a des pharisiens qui sont verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la transgression des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Donc, selon la tradition des anciens, il fallait que tu sois sous la mambouk avant, banakulia repas. Voilà, c'est selon la tradition des anciens. Dans le verset 3, il a répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira son père ou sa mère, c'est donc j'aurai puis t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans l'ancienne alliance, la parole de Dieu, c'était la loi. Dans l'ancienne alliance, la parole de Dieu, c'était la loi. Mais les pharisiens, ben, ça est là-bas, tradition nabango, baba qui ça qui biloko, où ils allaient qui ne loko mon côté, où ils allaient qui na rapport mon côté, na oyo, ils allaient qui liloba nzambe, ba ajouta qui. Donc le Seigneur a bandé qui ko s'attaquer nabango, à cause ya biloko yo bango baba qui ça qui. Yango ko remarqué, na ibiti suki na ko retrouver. Écriture Rwana, Genèse chapitre 37, verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas, ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères soient en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Voilà. Papa yeba ki ke bazo ko batte la bibouele na Sichem. Atindi Joseph vers ses frères. Mais quand Joseph arrive vers ses frères, akuta bango na Sichem te akuta bango na Dothan. Le père ici c'est Dieu. Ba berger ou bazo boko la popa talaki ba berger pour tout le monde a troupeau c'est le peuple ba berger wana jota le sabatei ou le Seigneur a kutaki tout le monde ba saga ba pharisien ba sadisaien tous ces gens là quand Jésus était venu voilà kuta bango na Sichem c'est la loi c'est comme zambatika ki peuple c'est la loi mais kuta bango wana te kuta bango bien que la loi était là mais batalaki na ba tradition na bango aujourd'hui awa Sichem comme la loi. Aujourd'hui, les traditions là, comme d'autant, mais tout le monde a le Seigneur a condamné Bango à cause de l'Ikambouane. Donc, l'éveil des pharisiens, ce n'est pas la loi. L'éveil des pharisiens et des sadducéens, ils ont enseignement à Bango. Je vais prendre cet exemple. Entre Bango, entre les pharisiens et les sadducéens, je crois, ils ont dit Oyo, Babandaki, qu'on dit que la résurrection du mort existe. Je crois tout ça dans Mukanda ya Matthieu chapitre 28 tout bas verset 25e tout bas verset 24 non verset 23 le même jour les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vers auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourit. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au quatrième. Après et tous, la femme mourit aussi. À la résurrection, duquel de ces sept sera-t-elle? Donc la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Voilà. Awa. Verset 24, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Donc les sadducéens ne croyaient pas que la résurrection des morts existe. On appelle ça les vins.
wana pesa leve. Donc toujours que nous préciser pour dire que le Seigneur a attaqué la loi T, mais à cause des levains des pharisiens ici, ils ont ajouté Oyo les pharisiens babane ko bakisa par rapport à la loi. Nde yangwana to subengango les vins de pharisiens. Donc petit exemple, Matthieu chapitre 23 verset 16 à 17. Malheur à vous conducteurs aveugles qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Verset 17. Et censé aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc, selon Abingi Bango, Abi, malheur à vous conducteurs du peuple, selon les pharisiens, pour la banque, ceux qui m'ont agiré, Nanzela ya or, aza engagé. Mais ceux qui ont agiré, Nanzela ya temple te, aza engagé te. Vous voyez, pour la banque, or, ezala ki na valeur, na mutuya, koleka temple. C'est ce qu'ils enseignaient. On a qui enseignement à Bango ou Bango Babanda qui enseignait. Mais quand le Seigneur a écouté les mêmes Bango pour n'ayez corriger Bango parce que le Babanda écouté a et c'est là qui malamte. Bref, dans Matthieu 16 verset 6, Jésus leur dit gardez-vous avec soin du lever des pharisiens et des sadducéens. Jésus le loue à image à ministre, les disciples et à image église. Les vins les faux enseignements. Oyo, toujours bien en haut, ajout. L'enseignement principal d'Israël, c'était la loi. Mais il avait des traditions. Oyo, bah, ancien, bah, tei na bango, bah, bakisaki, na tangwana. Nde, yangwana, le Seigneur, toujours bien en haut, les vins, les faux enseignements, les ajouts. Voilà pourquoi tu le dis qu'aujourd'hui, quand un ministre de Dieu prêche, les disciples ont l'image à Christ et à l'église d'aujourd'hui, Christ et Jésus, le Lokola, et Jésus-Christ, le Lokola, les Éphésiens 4:11, d'aujourd'hui, les disciples, le comme les ministres et comme les peuples de Dieu, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations, mes disciples. C'est pour dire que aujourd'hui, tous nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ, donc nous avons interprété Jésus comme les ministres, tu interprété les disciples comme l'église. Aujourd'hui, les levains des pharisiens, tous les sadducéens, ils ont les faux enseignements. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Bible, la Bible, dans 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien, à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un père de levain fait lever toute la pâte? En azo pâte, loko la moutou. Naozwa levain et pâte loko la moutou. Parce que na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 le dit, faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé. Attention, les vieux levains bazolo baza les péchés. Mais nga nazo ndozwa pâte loko la moutou. Meta bazolo ba kekar bien torwe, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nazo simba na nous lever au balobeli awa ti au balobeli awa na 1 Corinthiens 5 c'est pour lever tal ça rappelle du soumou mais nazo simba na lever comme l'enseignement si nous sommes la pâte ta bi que un peu de lever peut lever la pâte que nous parce que lila qui sia mabe ko bibi sa vie à mutu un mauvais enseignement et ko bibi sa vie à mutu nous sommes une pâte un mauvais enseignement et ko bibi sa vie à mutu. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup trop attention avec les levains. Aujourd'hui, les sadducéens et les pharisiens, bazo représenter les ministres, oyo, baza ko bakisa, makambu, na sainte doctrine. Dans l'ombre, Israël marche avec la loi, mais bango baye ba bakisi biloko na bango, menza madri contre. Aujourd'hui, notre loi, c'est la sainte doctrine. Kobakisa makambo musu pene ya sainte doctrine na miso nzambe za péché ajouter d'autres choses donc un peu de levain peut faire lever toute la pâte. C'est pour dire qu'un mauvais enseignement peut détruire la vie d'un homme et ko bébé sa vie à mutu yango remarqué na Eden nzamba ya enseigné a bisi na mutu tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu à ngouti
Mais un autre prédicateur vient, un faux prédicateur. Aïe, n'a levé. Parce que l'élevé n'a pas commencé aujourd'hui. L'élevé avait commencé en Éden. Aïe, n'a enseignement, Moussous. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Yo ka été, nous avons dit que beaucoup faté. Même si nous avons dit que nous avons dit à connaissance, la connaissance du bien et du mal. Habite beaucoup faté. Vous voyez? Beaucoup. Donc, il y a qui n'a levain, n'a un faux enseignement. Maintenant, quand l'on prend l'arbre de connaissance du bien et du mal, allié vie à mon bébé, l'homme comme la pâte, l'enseignement là qu'il avait écouté du serpent ancien, tant que tu n'as qu'à ta vie, automatiquement sa vie était détruite. Vie n'aïe bébaki. Pourquoi? Parce que après ça, qu'il est tout pour n'a qu'à un mauvais prédicateur. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop d'attention avec les enseignements. Il ne faut pas écouter n'importe quel enseignement. Un mauvais enseignement, tant que côté na kata via moutou, ça détruit. Un peu de pâte, un peu de levain, un peu de fait lever, tout est la pâte. Donc la pâte est comme l'homme. Quand un mauvais enseignement prend la place dans la vie de l'homme, et côté na kata via moutou, moutandimi, angwa, saleli, angwa, ils ont détruit vie. Ça mène à la mort. Tout le monde n'est pas à Adam. Tango yo kilite ya mote ya mabe. Yo kilite ya mote ya mabe. Pe a tiango en pratique. Comme conséquence, sa vie a été détruite. Donc la saine doctrine aujourd'hui, c'est l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Nde yango na la saine doctrine. Mais l'ité a nyon soa, junyon soa, bantomo bati kakite. Tango zo kota na kata vie a moutou. Automatiquement, ils ont pour détruire. Il y a un frère Paul Azor dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, 1 Pierre chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez crié en vain. C'est pour dire que Moutouaz en a besoin à Bika, il faut ayo kalite ya, à maintenir l'ité ya nenge kaka bantoma batea. Ils étaient au nombre de 12, mais batea un même enseignement. Il y a un frère Paul dans verset 11, il y a un côté 15 à l'obi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez crié. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut tika la enseignement ou bantoma batea ki. Mais tant que nous avons dit 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 que nous avons dit. Donc nous devons faire beaucoup trop d'attention avec les apôtres. Pour que comme tout le monde, que Paul avait dit moi aussi j'ai dit, Pierre avait dit moi aussi j'ai dit. Ça, et ça bien été. Jean chapitre 17, verset 20. Jean 17, 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Leur parole ici, c'est leur prédication. C'est pour dire que nous avons le Seigneur a dit, nous avons dit 12, mais pour nous, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit. C'est pour dire que Paul, le sambo et Jésus, ils ont fait les colonnes, ils font dire les paroles des apôtres. Or, les paroles des apôtres, c'est la prédication des apôtres, c'est la saine doctrine. Donc, ceux qui osent la la saine doctrine, nous avons dit que nous avons dit doctrine, nous avons dit que nous s'il vous plaît, la diète à Grey, là la prière de Dieu, ils en avaient fait les colonnes. Mais, si nous avons contrairement à l'enseignement et à Bantoma, nous avons dit que nous avons fait les colonnes. Là, Dieu ne te connaît pas. L'idée à nous, c'est contraire à Bantoma Batei. Ils ont dit que nous avons limité. Nous avons dit l'idée à Moko. Nous avons la qualité à Mogo. Oh, tout le monde a l'élo. Frère Paul a parlé sur le ministère de la femme, que la femme n'enseigne pas. Mais tout le monde a dit que nous avons la base de la terre. Ça, directement, c'était les vins. On a les vins. Tant que nous avons pratiqué le terre, on a dit que nous avons la note. C'était les vins. C'était fond d'enseignement. Nous avons vu qu'il y a un goût. Ils ont un goût belé. Mais nous avons vu qu'exemple, oh, on a. Ils ont les vins. Oyo, il faut faire beaucoup trop d'attention. Les aïe belé, tout le monde a toujours été capable de faire une église.
macaron pasteur prophétique, ba macaron pastoral, ba te ka même sous $20, sous $10, sous $15, toutes ces choses là, ils a ba les vins. Ils a ba les vins. Donc quand un prédicateur a zo prêché que l'ité elle zo contredit la sainte doctrine, atazanan yebake ils a les vins. Qui va na vie na yo, a ou détruit vie na yo. Frère Pierre, ma frère Paul, ma petite bassette, Tobiso, ma kibisi, bandeko bassi, à ce qui concerne les bijoux. Tabalbe, bandeko bassi, à ce qui concerne les bijoux, parce que nous en avons quatre, parce que c'est la doctrine. Je vous en ai battu, je suis sur ma zone d'Imayango. Je suis en train de me faire un peu de temps. Donc nous disons, ils appellent un levain. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop d'attention. Il y a un cabelo, il y a un méchant, il y a un bassin, il y a un bassin, il y a tout ça, ce sont des levains. Ce sont des faux enseignements. Nous disons que la vie de l'homme dépend d'un enseignement. Où est-ce que ça? Parce que tout le monde est lisé, à qui est-ce que c'est un Jéricho, à côté de Maï. Il y a un séjour en bas, mais les autres ont donné la mort. Mais ils ont fait sa coupe à la stérilité. Séjour, ils ont bien, mais Maï. Quand on voit l'eau, on voit la parole, l'enseignement, ce jour qu'on a la bien, l'église, qu'on a le tongama bien, on a l'instrument, tout même qualité, mais ni peuple, on met là. Mais ils ont payé sa couffe, ils ont payé sa stérilité. Stérilité, cela veut dire que tout le monde a produit une salle à malam, ils ont été. Tout le monde a produit une macambo, ils ont payé sa zambe, ils ont été. La mort, cela veut dire, mais ils ont bon mamoutou. Donc cela veut dire, ils ont tellement sa directement qu'il y a des enseignements qui tuent. Il y a des enseignements qui nous séparent de Dieu. Tout le monde est levé des pharisiens. Les pharisiens sont basés sur terre. Ce sont des prédicateurs. Alors il faut beaucoup d'attention avec les enseignements. Il faut que le Kébaka soit le Kouana. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Tout ce qui est ici, Oyo Ezali, enseignement sur les levés des pharisiens de Sadducéens. Prochainement, si le Seigneur fait grâce de vous parler, du coup, il y a la parabole, il y a l'offense. Nous devons aussi bien au prochainement. Voilà, priez pour nous que le Seigneur Jésus vous bénisse. S'il y a une question à poser, ben, nous avons son téléphone des Ali, plus 243 99 88 77. Plus 283 84 22 64 114. Voilà, s'il y a une question, vous tournez bisous, vous allez répondre bino en particulier. Voilà, paix à Christ, priez pour nous, tout le temps prochainement, nous continuons à se demander sur le parabole.